Je suis Zeina Faseki, 25 ans. Je suis artiste marocaine. Je fais la bande dessinée. En fait, je suis diplômée comme ingénieure d'état en mécanique. J'ai bossé un peu et du coup, j'ai laissé la carrière d'ingénieur pour une carrière d'artiste. J'étais contactée par l'ambassade de France ici à Rabat pour réaliser deux dessins dédiés aux violences faites aux femmes. Alors je pensais à illustrer deux idées. La première, c'est mettre en valeur les violences faites aux femmes dans le milieu domestique. En même temps, présenter le texte de la loi 103-13 qui est relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et le deuxième dessin, il est dédié aux violences faites dans l'espace public. Et dans les deux dessins, j'ai essayé de faire la main qui fait la violence et il y a une neutralité. Donc pour moi, c'est pas toujours ça vient de l'homme qui fait la violence, mais j'ai gardé vraiment une neutralité. On s'en fout du genre, il faut arrêter la violence parce que c'est un crime. Le mot chemin veut dire honte. On l'utilise aussi pour dire genre tais-toi, on finit cette discussion. Et donc à chaque fois on parle de tel sujet, on dit ah non, chemin. Donc on s'arrête là. Et donc moi je détaille tout ce qui est au-delà du mot chemin. J'ai créé chemin.com, j'ai créé une bande dessinée chemin, corps et sexualité au Maroc. Et elle traite aussi la violence faite aux femmes. Et c'est comme un guide qui remplace le vide d'éducation sexuelle, d'éducation même féministe. Donc on n'a pas ça souvent, soit de la part de nos parents, à l'école, dans notre langage quotidien. Et donc ce livre, il est là pour remplir ce vide. C'est pour cela que j'ai utilisé l'image, parce qu'elle a un pouvoir. Et du coup, l'artiste, pour moi, il reste toujours une personne qui n'est pas normale. C'est vraiment une personne avec une imagination incroyable. Pas juste le talent, mais aussi le courage. Et dans mon cas, c'est 60% de mon travail, c'est du courage. Parce que c'est pas facile ce que je suis en train de faire. Il faut vraiment faire face à toute une société. Mais il y a un progrès, ça change chacun, ouais, positivement.